Moi, je trouvais cette idée de jury très très bonne. Je trouve que de savoir où passe l'argent, je trouve ça vraiment très très bien. C'est vraiment une responsabilité très lourde de gérer de l'argent public. C'est aussi un des avantages de ce jury, c'est que ça permet de s'en rendre compte. On se sent impliqué. On comprend mieux les choix parfois difficiles que font les députés, parce que c'est pas évident de choisir parmi tous les dossiers. Je trouve que c'est une belle illustration du réinvestissement citoyen de la vie publique et j'espère que ça fera école. Chaque député en France bénéficie d'une somme de 130 000 euros qu'il peut affecter soit à des collectivités locales, soit à des associations. Et moi j'ai pensé que justement, c'était le moment d'ouvrir la prise de décision, que nos concitoyens puissent précisément se rendre compte de la difficulté de l'exercice, puissent partager avec moi un moment de ma vie d'élu. Donc moi je m'appelle Alain Février, je suis le trésorier de la Croix-Rouge de Bayonne. Et on vous a présenté un budget pour un véhicule, c'est un minibus, qui servira pour les maraudes. Oui, de combien de personnes arrivez-vous à aider sur une maraude de 4 mois? Comptez 30 à 40 personnes tous les jours. Chaque région, tous les 30 à 40. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Au revoir, monsieur. Nous avons décidé de créer un pôle culturel. Donc d'une part pour créer des dynamiques au niveau de la danse, de la musique et de l'art et du chant. C'est aussi pour mettre à disposition de Ametsa et Kachtola les locaux d'enseignement. Là, c'est une insertion donc, dans le site. Bon, c'est un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus classique, je dirais, qui s'intègre parfaitement avec le bâti environnant. On défend un projet avec tout notre cœur et le jury citoyen devra trancher sur la qualité des dossiers et effectivement, peut-être que c'est plus objectif au niveau de la décision. Par rapport à ce projet qui est pour le développement du rugby pour les filles de moins de 15 ans, je serai chargée de faire la communication entre le scolaire et le fédéral. C'est plus facile de défendre un projet comme ça que de le défendre sur papier avec un dossier écrit. Ça faisait comme si c'était un oral d'examen, mais bon. On s'est vite aperçu que l'école était trop petite, parce qu'on a une grande chance à la Bastide, c'est d'avoir beaucoup d'associations et beaucoup de bénévoles qui nous aident pour le temps d'activité préscolaire. Mais la contrainte est qu'il nous faut beaucoup de petites salles, étant donné donc on avait le centre de loisirs également dans les cartons, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on mutualise tous les deux. Je ne suis pas très habitué déjà, on n'est pas habitué à défendre nos projets comme ça devant tant de personnes déjà. Bon, moi je trouve que c'est important d'avoir l'avis de citoyens. Voilà. L'idée c'est de partir avec 15 jeunes, voilà, âgés de 15 à 17 ans. On va faire un tour de 250 km en partant d'Amsterdam et en faisant une boucle. Ces jeunes sont beaucoup dans des foyers d'accueil, dans des familles toutes les familles n'ont pas la possibilité de financer comme dans les collèges ordinaires la totalité du voyage. Oui, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on va chercher des subventions et c'est la première fois qu'on est soumis à cet exercice. Qui est... Habituellement, on fait des lettres, des courriers. Voilà. Se déplacer, de voir les personnes en face, je trouve sympa. C'est un côté bien plus humain. Oui. Notre mission essentielle, c'est d'assurer le remplacement des agriculteurs et des agricultrices sur les exploitations. Concrètement, l'investissement qu'on va faire, on va le répercuter. Donc, si elle est amoindrie par une aide quelconque, ça nous fera une répercussion moindre à l'agriculteur. Je pense que c'est une excellente initiative parce que les demandes qu'on fait actuellement, c'est on voit rarement un élu, c'est souvent un administratif. Et c'est souvent des demandes écrites qu'on fait, quoi, très impersonnelles. À travers ce projet, on cherche à éduquer des élèves pour qu'ils deviennent citoyens. Et je pense qu'on fait quelque chose qui est très positif pour ces jeunes, pour la connaissance de la politique, de l'engagement citoyen aussi, de façon générale. Là, on voit bien qu'il y a nombre de personnes autour de la table et ça donne vraiment une transparence à l'argent public. Donc pour moi, c'est d'avoir présenté mon projet, je trouve vraiment ça bien, même s'ils me le refusent, ça sera la loi de la démocratie, mais je trouve ça vraiment très très bien.
fait, ou pour les communes. Donc on devait être dans l'investissement. Ça ne peut pas être plus de 50% du montant hors taxe. Ceci dit, vu les montants sollicités, on ne sera jamais, je ne pense pas que ça soit 50%, pas plus de 80% de financement public, et à condition que les travaux ne soient pas commencés. C'est important. Pour les associations, donc on en a 27 dans le projet des dossiers, on ne peut donner qu'à 20. C'est le maximum prévu par le règlement de la réserve parlementaire. Il y en a qui ont zéro et d'autres qui ont plus. Et c'est vrai que je suis économe, j'ai pour l'instant 123 000 euros à me, dans mes dépenses. On a de la réserve. Donc j'ai tout quelques points d'interrogation qui vont être compliqués. Tout dépensé. Les membres du jury n'ont pas la même profession, n'ont pas nécessairement les mêmes convictions politiques, et c'est très intéressant, et je félicite vraiment, alors il faut le dire, notre député d'avoir accepté de laisser à la disposition de ses concitoyens des décisions, somme toute, importantes pour le secteur associatif et les collectivités territoriales. Déjà, est-ce qu'on est d'accord, moi ce que j'ai compris, qui se dégageait, ça serait 2/3 pour les associations, 1/3 pour les collectivités. On réfléchit beaucoup et c'est là qu'on imagine que ouais, c'est des grosses décisions. C'est des grosses décisions à prendre. Ouais. De toute façon, on sait qu'on ne peut pas en donner à tout le monde. Donc forcément, voilà, on savait. Voilà. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'on doit donner, apporter des réponses aux associations, aux communes. C'est-à-dire que nous, on doit expliquer pourquoi on ne donne pas d'argent aussi, dans les cas si vraiment ça, voilà, on s'était mis d'accord et que vraiment ça passait pas du tout. Du coup, il y a un équilibre. On l'a élue pour qu'elle nous représente là-bas. Et effectivement, elle ne va pas demander à sa circonscription à chaque fois qu'elle doit voter quelque chose à l'Assemblée. Mais sur ça, sur cet argent public, qui au final, voilà, un peu le nôtre aussi, qu'on nous demande ce qu'on doit en faire, je trouve que voilà, ça se tient.